Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une vraie sélection parmi tes œuvres pour en constituer une collection. Alors, je t'invite à écouter l'émission d'hier si tu ne sais pas de quoi il s'agit quand je te dis on va monter ensemble une collection. Voilà, je t'explique tout dans l'émission d'hier. Il va peut-être y avoir un peu de bruit aujourd'hui dans cette émission parce que je suis en pleine ville aujourd'hui, mais c'était vraiment important pour moi d'enregistrer cette émission et de te parler de ça, de comment faire ta sélection, parce que je sais que tu vas te retrouver à un moment donné, si c'est pas le cas là aujourd'hui, de toute façon ça va t'arriver, tu vas devoir faire une sélection parmi les pièces que tu auras produites, que ce soit des photos, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou autre. De toute façon, il faut choisir à un moment donné. C'est vraiment un des rôles primordiaux de l'artiste. C'est un truc qu'il faut comprendre. Être artiste, ce n'est pas seulement créer. Ce n'est pas seulement dire de belles choses ou des choses sinistres, partager tout ça avec les autres et vendre des œuvres et puis exposer dans des endroits, etc. En tout cas, pour permettre tout ça, pour permettre au public de comprendre le travail que tu mènes et pour te comprendre toi-même aussi, il va falloir faire à un moment donné une sélection dans ton travail. Choisir les pièces les plus importantes, les pièces du puzzle qui constituent l'image de ton art, l'image de ce que tu veux véhiculer, de ce qui sous-tend ton travail artistique, pour qu'on puisse avoir les éléments indispensables à sa bonne compréhension. En faisant une mauvaise sélection, ce qui va t'arriver, c'est que déjà, tu vas toi avoir du mal à comprendre, à prendre du recul sur ton propre travail. Savoir qu'est-ce qu'il veut dire, ce travail-là. Peut-être que tu te poses la question aujourd'hui, tu sais que tu es en train de toucher à quelque chose d'important, ça sort tes tripes, donc ça a du sens, il y a vraiment quelque chose là, il y a du corps, il y a de la matière dans ce que tu produis. Mais tu es peut-être un peu perdu parce que tu ne sais pas trop où tu vas avec tout ça. Alors il te faudra peut-être un peu plus de temps, il faudra peut-être que tu arrives à constituer comme ça, à produire de nouvelles œuvres qui vont petit à petit semer comme le petit pousset sème ses petits cailloux là, ou ses petits haricots ou je sais pas quoi pour retrouver son chemin à un moment donné. Il va falloir que toutes ces œuvres petit à petit sèment leurs petits cailloux sur le chemin de ta carrière artistique, sur le chemin qui va t'amener à un moment donné à une reconnaissance, à ce que ton travail soit reconnu par ton entourage, soit reconnu par des professionnels du marché. Mais pour obtenir cette reconnaissance-là et comprendre, enfin avoir la preuve extérieure que ton travail vaut vraiment quelque chose, tu vois, que ce n'est pas juste ton propre avis sur ton propre travail ou l'avis de tes proches qui est somme toute un peu questionnable. Enfin, tu vois, c'est toujours, c'est jamais, on n'y croit jamais vraiment hein, quand nos proches disent que notre art est génial, que ce qu'on fait c'est super. On n'y croit qu'à moitié parce que ce sont des proches et évidemment il y a tout l'aspect émotionnel qui va avec. Donc bon, c'est vrai que tu n'y crois peut-être pas trop et tu as envie, tu as besoin certainement d'avoir des retours de professionnels, des retours de gens que tu ne connais pas, hein, qui sont peut-être acheteurs, qui aiment bien l'art en tout cas, qui ont l'habitude de voir un peu des œuvres à droite à gauche, d'autres artistes, d'autres styles, et qui ont un peu plus de bouteilles lorsqu'il s'agit de donner un avis sur des œuvres, sur un travail en lui-même. Voilà, donc pour arriver à toucher ces gens-là de manière claire, eh bien, il faut qu'au sein même de ta proposition, il y ait de la clarté. Donc, ça commence déjà par toi, comprendre, avoir le recul nécessaire sur ton travail qui te permette de dire ben, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà en fait ce que je suis en train de mener depuis plusieurs années ou depuis ces quelques œuvres, voilà donc où je suis en train d'aller avec mon travail. C'est une compréhension un petit peu indirecte parfois qui arrive. Hein. Il y a différentes façons de travailler. Tu es peut-être une artiste ou un artiste qui est plus conceptuel et donc qui a plus pour habitude ou pour fonctionnement de d'abord réfléchir à tout un concept, à tout ce que tu vas, tout ce sur quoi tu vas travailler, une thématique. On en a parlé un petit peu hier hein, dans l'émission sur la collection. Peut-être que ce travail de recul, de construction est en amont de ta production. Au contraire, toi, tu es peut-être une artiste ou un artiste qui a l'habitude de fonctionner de manière un peu plus intuitive, de peindre ou de représenter le beau quand il est là, ou de te laisser aller sans avoir forcément d'intention de départ, si ce n'est que de te lancer à créer une nouvelle pièce.
Que tu sois dans un cas ou dans l'autre, de toute façon, tu vois que tu ne peux pas passer à côté de ce moment important, ce moment clé dans ta carrière, où tu vas devoir faire une sélection de tes pièces en vue de présenter une collection à ton public et donc d'avoir un regard, une valeur perçue de tes œuvres qui soit supérieure à si tu balançais comme ça tes œuvres un peu à droite à gauche, toutes celles que tu as fait depuis un moment et qu'il y a un peu de tout, que tu es papillonné un peu de partout et du coup qu'on perde le fil, qu'on n'ait pas une vision vraiment éclaircie de ce que tu es en train de partager avec nous. Bah, ça serait vraiment dommage que tout ton travail de qualité passe à côté de l'intérêt, de la compréhension de ton public, alors que tu pourrais construire quelque chose de vraiment formidable avec ça. J'imagine que, à travers le fait d'être artiste, bah, tu as un rêve ou tu as plusieurs rêves, en tout cas des envies qui te poussent à continuer à être artiste malgré les difficultés que tu peux rencontrer, puisque on se le cache pas, la vie d'artiste est, reste difficile pour plein de raisons diverses et variées. Et toi, tu as les tiennes aussi, donc tu connais cette difficulté-là, tu la vis peut-être au quotidien. Dans cette émission, on ne va pas parler de toutes les façons de sélectionner des œuvres en vue de faire une collection. On va parler des plus importantes, à mon avis, avec un petit peu de recul sur plusieurs carrières d'artistes et différents types de médiums, de styles utilisés. Le premier élément que tu peux prendre en compte en vue de faire une sélection, ce qu'on va voir, ce sont plusieurs éléments que tu peux combiner entre eux ou tu peux en choisir un seul comme critère de sélection. Ce premier élément-là, ce premier critère, est un critère technique. C'est-à-dire que pour certains artistes, c'est peut-être ton cas, tu es dans une recherche plastique extrêmement technique. Tu essayes de pousser toujours plus loin la maîtrise de ton outil, la maîtrise peut-être d'un effet plastique ou d'un matériau. Tu essaies de le maîtriser de plus en plus. Et donc, tu es vraiment dans une production technique, très très technique, plastique mais vraiment technique. À ce moment-là, tu vas faire une sélection en fonction de l'aboutissement technique. C'est-à-dire que bah, tu vas vite voir que certaines pièces, bah, finalement plastiquement, techniquement, ne tiennent pas la route par rapport à certaines, et d'autres sont vraiment au-dessus. Bon, peut-être que sur le moment, tu ne sais pas vraiment pourquoi, là, hein, mais maintenant que tu es en train de regarder toutes tes œuvres, tu ne sais pas trop pourquoi certaines sont au-dessus, mais tu vois clairement que techniquement, elles sont plus abouties, c'est beaucoup plus poussé, et ton travail plastique, d'ordre technique, est beaucoup plus riche. Ce qui te permet derrière, évidemment, d'argumenter sur tes œuvres lorsque tu es en train de les présenter, de manière beaucoup plus efficace, puisque tu peux, en même temps que tu es en train de parler de ton travail et que tu es en train de le présenter, avoir l'exemple concret devant les yeux à travers ces œuvres-là qu'on est en train de regarder, de ce que tu es en train d'argumenter, si tu veux. Donc la preuve concrète des arguments que tu es en train d'utiliser pour convaincre les gens de s'intéresser à ton travail, voire de les acquérir. Un deuxième critère de sélection, qui va être assez proche du critère technique, c'est le critère esthétique. C'est-à-dire que tu n'es peut-être pas forcément dans une recherche très poussée technique, mais plastiquement, tu essayes d'avoir un effet particulier. Même si tu es en dehors de l'effet, il y a quelque chose au niveau plastique que tu fouilles depuis un moment, tu sais que c'est là, c'est pas encore très précis pour toi, mais tu sais que c'est vraiment d'ordre plastique esthétique, tu vois, vraiment esthétique. Il y a un truc qui fait que lorsqu'on est en train de, t'es en train de regarder toutes tes œuvres là que t'as produites, évidemment faire une sélection, ça demande d'avoir au moins une dizaine, peut-être une vingtaine d'œuvres devant les yeux, on est d'accord, pour faire une vraie sélection et pour parler de, voilà, pour avoir assez d'éléments pour faire une sélection. Ce deuxième critère esthétique va t'apparaître assez vite finalement pour avoir une cohérence visuelle de plusieurs œuvres. Donc sur ta vingtaine d'œuvres que t'as en face de toi, il y en a peut-être que 15, il y en a peut-être que 12, il y en a peut-être que 5. Qui vraiment esthétiquement, au niveau visuel, ont un lien qui est vraiment très très clair. C'est-à-dire que si tu amenais quelqu'un là devant tes œuvres, là maintenant tout de suite, qui connaît rien en art, et que tu lui dises, voilà, il y a cette vingtaine de toiles devant toi, ou de photos, je te demande simplement de regrouper celles qui pour toi, visuellement, se ressemblent. Hein, c'est aussi basique que ça finalement, et cette personne donc va regrouper celles qui visuellement, esthétiquement, ont un lien visuel fort. Alors ça peut être une forme particulière qui se répète dans plusieurs toiles ou plusieurs sculptures ou plusieurs
photo. Ça peut être un élément de couleur, un élément de texture, un élément de structure même, donc de composition, ou un élément symbolique qu'on vient retrouver, donc comme la forme géométrique qui peut être un élément symbolique, mais ça peut être par exemple un visage, donc plus d'ordre thématique, un visage qui va se répéter plusieurs fois. Mais on va parler aussi de l'élément thématique. Le troisième élément sur lequel tu peux t'appuyer pour faire une sélection, donc le troisième critère, justement, on y vient, c'est celui de la thématique. À travers ton travail, et si tu as beaucoup de stocks en atelier, peut-être que tu as travaillé sur diverses thématiques, peut-être que tu ne travaillais pas du tout sur des thématiques, mais que, en mettant tes cinquantaines, centaines de toiles devant toi, en les sortant de la poussière les unes après les autres, tu te rends compte que, bizarrement, tu ne l'avais peut-être même pas vu. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce travail à un moment donné où tu as quand même beaucoup d'œuvres devant toi. Tu peux les mettre, voilà, avoir beaucoup d'éléments devant toi, beaucoup d'œuvres. Parce que ça va te permettre aussi de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Peut-être que parmi toutes tes toiles, toutes tes photos, toutes tes sculptures, tu vas te rendre compte qu'il y a une thématique qui ressort. Une thématique qui peut être n'importe quelle thématique. Ça peut être, si tu as l'habitude de faire un peu de figuration, même dans l'abstraction d'ailleurs, ça peut apparaître, tu te rends compte que tu as travaillé sur un élément féminin, par exemple sur la femme, ou sur un élément précis de la femme. Peut-être que tu as travaillé sur la thématique de la vitesse, ou au contraire de la pesanteur, de la légèreté, voilà. C'est le critère le plus commun, en fait, le plus facile à utiliser pour arriver à générer une sélection de tes œuvres en vue d'en faire une collection. Maintenant, attention, il ne faut pas tomber dans le piège du truc qui veut rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on pousse un petit peu le bouchon un peu loin, dans le sens où on essaie de trouver un lien qui n'existe pas vraiment, et on va y coller n'importe quel thème dessus pour se dire, bah voilà, ce qui rejoint ces œuvres-là, ce qui fait vraiment un lien, c'est telle thématique. Et puis on va parler de, je ne sais pas, par exemple, je vais donner vraiment le mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. Je travaille sur l'équilibre du néant, par exemple. Bon, l'équilibre du néant, ça ne veut rien dire. Tu vois, à un moment donné, il faut que, si tu choisis ce critère de sélection qu'est la thématique, il faut que cette thématique soit précise et qu'elle ne reste pas une abstraction conceptuelle aux yeux et aux oreilles d'un public qui n'est pas forcément un public averti, qui n'est pas forcément un public qui a l'habitude de voir de l'art. D'accord ? C'est très important pour ne pas verser du côté des artistes ultra conceptuels où on vient à ne plus rien comprendre du tout de leurs propositions et où finalement ça ne va pas intéresser les gens, quoi. Et il ne faudra pas t'étonner que derrière, il n'y ait pas de vente, qu'il n'y ait pas d'expo, qu'il n'y ait pas d'intérêt pour ton travail. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens sont intelligents. Ils ont une sensibilité aussi émotionnelle. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, dès que ça va être un peu du flan et des trucs un peu farfelus au niveau de la thématique, les gens, automatiquement, ne suivront plus, ne te suivront plus. Et c'est normal parce que c'est un peu leur manquer de respect que d'essayer de travailler de cette manière-là. Le dernier critère de sélection qui te permet de faire une vraie sélection et d'en générer une collection, c'est de loin le plus complexe, mais c'est de loin le plus puissant. C'est celui relié à ta mission d'artiste. Alors, c'est pas forcément utilisable pour toi aujourd'hui si t'en es pas encore là. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore compris pourquoi tu es là dans ce monde, pourquoi tu as été incarné, pour ceux qui croient à l'incarnation, dans cette vie, sur cette terre, dans ce corps, de cet artiste-là en particulier, qui a vécu des expériences qui l'a forgé, qui l'a sculpté pour être ce que tu es aujourd'hui, qui est passé par une éducation particulière, qui est passé par du vécu émotionnel aussi, une certaine souffrance, une certaine aussi légèreté, des bonnes choses qui te sont arrivées et qui ont constitué ce que tu es aujourd'hui à l'intérieur même de l'artiste dont on est en train de parler. Peut-être que pour toi, à travers ton travail artistique, tu as pu mettre une compréhension tellement fine, tellement précise sur ce que tu fais, que tu en as dégagé une mission qui est apparue pour toi, j'allais dire une mission de vie, mais c'est vraiment la mission de l'artiste. Moi, j'appelle ça comme ça, la mission de l'artiste. Ce pourquoi tu es artiste. Tu vois, vraiment une clarté dévoilée qui t'amène à ça. Si tu en es là aujourd'hui, alors peut-être que les trois critères que je t'ai cités juste avant,
ne te correspondent pas. Et c'est normal puisque tu es passé, on va dire, à l'étape juste après ce dont on a dit là, donc thématique, visuel, esthétique, etc., qui sont des critères finalement assez simples à mettre en place en vue de faire une sélection pour constituer une collection. Mais si toi, tu as une mission d'artiste clair, alors ça va être en même temps plus compliqué et en même temps plus puissant parce que tes œuvres ne se rejoignent pas forcément, ne se lient pas forcément par l'esthétisme, ne se relient pas forcément par la thématique, ne se relient pas forcément par l'aspect technique, mais par ta mission même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé de t'engager dans cette mission-là qui s'est éclairée pour toi, peut-être que tu vas aller toucher la photo, peut-être que tu vas aller toucher la peinture, peut-être que tu vas aller toucher l'installation, la performance, la vidéo ou d'autres choses qui sont considérées comme hors médium artistique, mais somme toute, qui ont un lien à l'intérieur de toutes ces actions-là, de toutes ces œuvres, toutes ces représentations, ce lien étant ta mission d'artiste. À ce moment-là, ça va être un peu plus long, évidemment, de constituer ce qu'on peut appeler une collection, mais cette collection-là, une fois qu'elle sera aboutie, mise en place, que la sélection aura été faite à l'intérieur de toutes tes actions, alors va émerger de l'intérieur de ça un lien beaucoup plus fort que simplement un côté esthétique ou un côté thématique ou un côté technique. Alors, il n'y a pas de jugement derrière ça, hein. Ça ne vaut pas plus d'avoir sa mission d'artiste que de faire un lien pour sa collection juste de manière esthétique ou thématique ou technique. Chacun en est là où il en est aujourd'hui. Il n'y a pas de plus, de moins, de meilleur, de moins bon. Puisque je te rappelle que pour chaque artiste, il existe un public. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle qui met tout le monde au même niveau. Okay, pour chaque artiste, il existe un public. Donc pour toi aussi, il y a un public qui est là, qui n'est peut-être pas encore constitué parce que tu n'as peut-être pas encore fait ce travail-là. Mais de toute façon, tu as ta chance aussi. Il y en a pour tout le monde. Hein. Le camembert est immense et il y a une part de camembert pour tout le monde. Donc t'inquiète pas, tu vas y arriver aussi. Maintenant, bah évidemment, ça veut dire de se mettre un coup de pied au cul, de faire l'effort là, comme on en parle aujourd'hui, de faire une sélection, de prendre le temps de faire ça. Ça se fait pas forcément comme ça, en un claquement de doigts. Il va peut-être te falloir plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, de repasser devant tes œuvres, d'y réfléchir, de les re-regarder, d'être dans des moments différents de la journée, d'être dans des conditions émotionnelles différentes aussi, qui vont te permettre de faire une sélection solide, clair et abouti en vue d'en générer une collection. Et puis, eh bien, une fois que tu as ta collection, et ça on en parlera demain justement dans l'émission de demain, qu'est-ce qu'on peut faire avec une collection? Quelle est la portée de cette collection-là? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette fameuse sélection, de la faire toi au lieu de la faire faire par un galeriste ou par toute autre personne qui se dit être meilleur que toi pour faire cette fameuse sélection. Bah, tu comprends dans mon rire que j'y crois pas. Pour moi, c'est vraiment l'artiste qui doit assumer cette partie-là et créer le sens au sein même de son travail. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle créer du sens à l'intérieur du sens, pour ceux qui aiment bien un peu les trucs philosophiques. C'est vraiment ça. C'est important de le faire et c'est à toi de jouer ce rôle. Alors, je serais curieux de savoir, toi, comment tu t'y prends pour faire ta collection. Tu utilises peut-être un autre élément, un autre critère de sélection pour générer une collection. Donc, je te laisse partager ça avec nous directement dans les commentaires et nous dire, toi, de quelle manière est-ce que tu t'y prends ou de quelle manière est-ce que tu envisagerais aujourd'hui, maintenant que tu as écouté cette émission, comment tu ferais ta sélection, quels critères tu utiliserais en vue de générer une collection. Il y a des choses aussi sympas et importantes, des petites surprises pour toi dans la description de l'émission. Donc, sur Facebook, c'est dans le statut juste au-dessus. Sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Et sur l'application Radio des Artistes, tu sais où c'est maintenant. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut!